Je vais rentrer. Je vais pas. Tu vas où? Moi, je dis à ta femme que je suis enceinte de toi. Qu'est-ce que tu dis? Enceinte? Non, bébé. Madame, vous vendez la rue avec Afiti. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous êtes marié? Oui, je suis un homme marié. Mais comment se fait-il qu'un homme marié, sa femme le commande? Je ne comprends pas. En fait, nous, on a l'habitude de commander, on a l'habitude de céder entre moi et non, ma femme. Non, une femme mariée au foyer doit sortir faire ses achats de ravitaillement pour préparer tout. C'est pas à l'homme de faire cette. Non, pour ça, moi, ça ne me dit rien. Moi, j'aime ma femme tant, donc je l'aide, elle m'aide aussi. Vous allez l'enlever avec Afitine là. Vous allez me servir ça sur le. Si ça vous dérange pas, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez quoi, Métis? Bon. Moi, je ne suis pas éduquée comme votre femme. Donc, moi, je sais comment prendre soin d'un homme et tout. Vous voyez? Donc, si ça ne vous dérange pas, on peut se mettre en couple pour quelques temps. Ce n'est pas pour détruire votre foyer. Non, en fait, madame, excusez-moi. Je suis un homme marié et j'aime ma femme. Oui, je sais, monsieur, mais vous êtes un homme élégant, gentil. Écoutez, s'il vous plaît, vendez-moi ce que je veux payer. Et laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. C'est bon. Vous avez affecté là avec la rue là? Non, je n'ai pas. Payez ce que vous avez payé là. Vous n'avez pas affecté là avec? Monsieur, je ne sais pas. C'est quoi votre problème? Excusez-moi. C'était quand il y a le c'est quoi? Je ne prends pas d'espèces. Payez-moi pas mon mot. Monsieur, payez-moi pas mon mot. Je ne veux pas d'espèces. Excusez-moi. C'est mon bonheur, c'est quoi toi? Tenez. Ça fait 8700. 8700? Oui. C'est envoyé. Poignée, s'il vous plaît. Madame, ça va? Bonne journée. Je t'ai gagné dans les haïs. On t'a dit de venir manger à l'eau. Tu dis que c'est banane, tu veux. Chérie, oui. Regarde-moi. Tu vois, le spaghetti, tu as payé. Vraiment, je suis fatigué. Mais écoute-moi au moins. Non. Si c'est à cause de la monnaie, tu es en train de faire le point là. La monnaie, on doit faire des économies. Je t'ai déjà dit ça. Écoute-moi. D'accord. Tu as payé le spaghetti. Oui. Le riz aussi. Oui. La sardine là, tu fallait prendre pour 300. Pourquoi tu as pris pour 400 là? Faut économiser. Tu prends les sardines de 400 là, faut prendre pour 300. Oui. Et tu as pris déjà le lait aussi. Oui. Le Milo, le café. C'est bon. Tu as oublié. Chérie, écoute-moi, non. À tout téléphone en train de sonner. Tu as pas. Allô? Allô? Bonsoir. Tu sais qui appelle maintenant? C'est la dame qui vend dans la boutique, là où tu viens faire ravitaillement. J'ai ton numéro maintenant, monsieur. Moi, j'ai le reste par téléphone. Bonne soirée. Chérie, ça va? Ça va, oui, ça va. Toi, quoi? Non, rien. C'est qui t'a appelé? C'est le boulot? Oui, c'est le boulot. C'est à cause... Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fracasses autant? Tu as fini avec le téléphone? Non, on faisait le compte. Tu veux? Moi, je veux aussi. Vraiment, c'est qui ce mot? Allô? Allô? Oui, allô? 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 Mais c'est quoi ça? Son, il aime sa femme jusqu'au point qu'il laisse son téléphone et elle décore son appel. Seigneur. C'est qui ça? C'est une voix de femme, hein? Et la personne ne parle plus quand je dis allô. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a un numéro qui t'a appelé, j'ai décroché, mais la personne ne parle pas. C'est une voix de femme, elle a dit allô, deux fois de suite, j'ai dit allô, ben elle n'a rien dit après. Ben, c'était pour te dire que j'avais fait la nourriture, quoi. Okay. T'es sûr que ça va? Oui, ça va, je viens au salon. Tant mieux. Pourquoi elle continue de m'appeler même? Là, ça devient trop. Thank you.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre mari est là. Oui, mon mari est là. Je veux le voir. C'est pour. Bon, il a acheté à crédit chez moi. Je suis venue récupérer mon argent. Acheté à crédit? Oui. J'ai jamais entendu ça. Si vous pouvez demander, appelez-moi votre mari. Je ne veux pas beaucoup parler. Responsable. Tu cherches quoi ici? Tu veux faire quoi ici? C'est quoi cette question bête là? Je te dis, je ne suis pas intéressé. Tu m'appelles pour me mettre. Je te dis, je ne suis pas intéressé. J'ai dit à une femme. Pourquoi tu fais ça? Tu me mets dans le problème? Attends, tu oublies que j'ai une femme chez moi. Arrête de crier sur moi. Je suis venue te parler. Vous parlez de quoi? Ah, ok. Soit tu acceptes ma proposition, soit je dis à ta femme que je suis enceinte de toi. Quelle proposition? Enceinte? Non, 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 bébé. Attends, attends, c'est pas ce que tu crois. Tu vas où? Reviens ici. Bébé, c'est pas ce que tu crois. Ah. Bébé, laisse-moi t'expliquer. Wow. Bébé, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, j'ai été payé là-bas. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Bébé, après pas... nos 9 ans ensemble, juste parce qu'on arrive, je n'arrive pas encore à faire des gosses, que tu te permets d'en sortir. Tu sais qu'il y a des appels qui viennent, que je prends, et les gens. C'était elle. C'était elle, je ne suis pas. Quand elle est pas. Tu me disais quand c'était le travail. Bébé, elle n'est pas enceinte, je n'ai rien avec elle. Comment je te mens? Bébé, je te dis la vérité. Bébé, quoi est-ce que je retourne chez mes parents? Bébé, qu'est-ce que tu fais? Attends. Moi, je vais prendre chez moi. Bébé, pardon. Bébé, tu vas où? Attends, on s'est promis de te faire ensemble. Pourquoi tu veux me laisser? Je repars chez mes parents. Attends, c'est pas parce qu'elle est venue te dire les trucs que tu vas la croire. Non. C'est bon, tu as gagné. Ma femme est partie à cause de toi. Je suis à la maison. Tu peux... Tu es là? Tu n'as même pas frappé avant de rentrer. Comment frapper? Je suis chez moi. Ah, comment tu vas? Attends, ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que c'est bien? J'ai fait quoi? Ce que tu es venu faire devant ma femme, est-ce que c'est bien? J'ai dit, je ne suis pas intéressé. Chaque fois que tu m'appelles, je ne décroche pas. Mais tu es venu, pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? Mais elle n'est plus ta femme, elle est partie, j'espère. D'abord, tu dis que tu es enceinte de moi. Comment tu peux être enceinte? Toi et moi, on n'a jamais, on a rien fait ensemble. Je ne peux jamais tomber enceinte d'un homme qui ne m'a jamais touché, donc c'était pour qu'elle parte. Tu as eu mon numéro, où d'abord? Tu as oublié que tu m'avais fait dépôt? Donc c'est pas là que tu as eu mon numéro. Ah ouais. Si j'avais pas fait tous ces plans-là, est-ce qu'elle va partir? Quoi? Ma chérie, c'est intéressant. Je t'avais dit ça. Tu veux mettre du sable dans mon attique et t'as pas honte en tant que femme?